Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour la septième partie de notre album Stamperia Little Girl. Dans cette partie, nous allons réaliser cette page qui comporte plusieurs choses. Alors déjà, il y a une grande pochette ici à l'arrière où j'ai réalisé un grand livret pour de grandes photos. Et puis, nous allons trouver également une pochette sur le devant, ici, avec cette très très jolie découpe. Et ce joli cheval, donc on pourra mettre également une photo sur l'arrière. Et il y a également une pochette latérale ici. J'ai juste oublié de mettre la petite déco ici, car la carte, comme je la mets dans ce sens, elle va bloquer en laissant la jolie bordure apparaître. Et vous allez pouvoir mettre un, deux, trois fonds de photo, car elle est très grande cette pochette. Et puis nous commencerons à la fin du tutoriel. Les deux pages suivantes, regardez cette magnifique bordure. Donc, nous commencerons ces deux bases de pages, le début de la pochette, et dans le prochain tutoriel, nous finirons les deux autres pochettes. Donc, eh bien, si vous êtes prêtes, moi aussi, c'est parti. Hop, 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 à vos outils. Alors, eh bien, pour cette page, nous allons deviner quoi? Tricher, parce que nous allons faire une pochette latérale ici. Et je vais prendre donc ce papier où nous avions déjà pris un morceau. Et je vais venir ici prendre une bande. Mais je vais d'abord ajuster à 19 et demi. Je retourne comme ceci. Et ici, je vais prendre 19 et demi, la hauteur de notre page. Je mets ceci de côté. Et puis ici, nous allons prendre une bande de... Allez, on va dire... Je vais prendre toute la bande. Donc, vous coupez au bord de ce motif. Et puis, dans une feuille A4, je vais ajuster ici à 19 et demi également. Et nous allons ajouter un morceau d'adhésif de ce côté et ajouter notre bande. Je vais positionner mon adhésif ici sur le côté. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Et puis, nous allons attacher notre morceau de papier décoré. Donc, je m'aide de ceci, je m'appuie sur le rebord pour être bien droite. On enlève bien sûr la protection et je l'attache avec cette partie sur ce côté. Une fois que je suis positionnée, je peux attaché, et puis je retourne et je m'ajuste ici à 19 et demi. Oups. 19 et demi. Nous avons notre base de page sur laquelle travailler. Ensuite, il va vous falloir un morceau de cardstock de 23 et demi sur 15 qui va nous servir à réaliser une grande pochette et je vais remettre de l'adhésif ici. Sur ce côté pour venir y poser cette pochette. Pour l'instant, je n'enlève pas la protection. Je vais juste amener mon cardstock dessus, tout simplement, en laissant dépasser à peu près du même montant de chaque côté, donc 2 cm environ, et juste en tenant sans attacher. Je vais replier sur les côtés pour fermer la pochette et je vais avoir ma hauteur de 19,5 ici. Je vais de ce côté mesurer et faire un point à 10 pour pouvoir faire une encoche. À peu près donc 10. Pour faire l'encoche, j'utilise ma perforatrice de rond et je viens tout simplement
réaliser une petite encoche ici, à ce niveau. Est-ce que je suis bien au milieu? Je ne suis pas trop sûre. Oui. C'est parti pour l'encoche. Donc d'abord une encoche. Et puis, si vous n'avez pas de perforatrice de rond, ça n'est pas grave du tout. Vous prenez quelque chose de rond et même si l'encoche est plus large, aucune importance. Vous tracez un trait au crayon et vous découpez avec les ciseaux du mieux que vous pouvez. Ça ira très très bien. Et puis, une fois que j'ai ceci, eh bien, nous allons, avant d'attacher la page, la recouvrir de papier décoré. Et vous allez trouver dans vos chutes ces deux motifs. À l'arrière, ce sont les cœurs. Il va d'abord nous falloir une bande de 4,5 cm que je vais prendre ici sans couper dans la toute mignonne petite fille. C'est parti, 4,5. Et cette bande, eh bien, nous allons la poser ici et l'ajuster à 15, la largeur de notre pochette. Et l'ajouter ici. Je vais positionner sur le bas de mon cardstock un morceau d'adhésif qui se cache. Je l'ai retrouvé. Donc je pose ma bande adhésive ici pour pouvoir ajouter mon morceau de cardstock que je laisse ici pour l'instant. Ceci, je n'en ai plus besoin, on le garde. Et puis, dans le deuxième papier, je vais venir prendre de nouveau un morceau. Et cette fois, je vais couper dedans, ça n'est pas gênant. Vous allez prendre un morceau de la hauteur. C'est parfait. Et couper à 15,5. Donc, la hauteur de cette chute fait un peu plus de 15 et je l'ajuste à 15 également. Pour l'ajouter sur le haut. Donc tout d'abord, nous allons poser avec de la colle ceci et puis ensuite venir ajouter la pochette dessus. Ensuite, vous voyez, on ne va même pas voir le raccord en fait. Donc je colle d'abord ceci. Et nous allons venir mettre la pochette. Donc, vous voyez, avec ma colle, je fais un tour. Un peu de colle au milieu, pas besoin d'en mettre trop. Et je vais poser ceci sur le haut. Et avant de mettre le bas de ma pochette, vous voyez, j'avais mon encoche ici. Eh bien, soit vous redétourez avec les ciseaux, soit moi, je vais de nouveau réaliser l'encoche. C'est parfait. On marque bien notre papier et puis nous allons ajouter la petite bande sur le bas. J'enlève tout d'abord ma protection. Sur les côtés, vous allez juste mettre une fine bande de colle parce que je veux laisser l'ouverture en fait. Sur le bas, ça n'est pas la peine, il y a l'adhésif. Et puis, vous allez venir le coller. Je me suis trompée de sens. Vous voyez, j'ai tous les cœurs ici et pas en bas. Donc, c'est ce sens. C'est réparé. Et vous voyez, pas de raccord. On ne voit pas du tout qu'il y a une pochette ici, en fait. Vous laissez bien sécher votre colle. Et puis, c'est tout bon. Maintenant, nous allons pouvoir ajouter ceci. Donc, tout simplement, vous enlevez l'adhésif. Vous venez bien vous poser dessus, bien droit. Et ensuite, de la colle de chaque côté et vous refermez. C'est tout bon. Voici. Ceci de fait. Et puis maintenant, nous allons préparer plusieurs découpes. Déjà, vous allez en préparer dans cette découpe-ci, trois comme ceci. Donc, j'en ai déjà deux ici, vous voyez. Et puis, vous allez également préparer pour
la petite chose qui va s'insérer dans cette pochette, une découpe comme celle-ci. Je vais prendre ce die-ci et celui-ci, les assembler ensemble et passer dans la machine. Donc, je prépare mes découpes et nous allons continuer. Alors, pour cette découpe-ci, vous pouvez enlever ceci et il ne va pas nous servir. Il m'a juste servi ici pour couper l'intérieur de cette découpe-ci. Donc, je peux la laisser de côté. Elle ne me servira pas. Ceci, je le laisse de côté aussi. Nous allons l'utiliser ici pour glisser dans la pochette. Et puis, ceci, nous allons faire deux choses. Déjà, nous allons en attacher deux ensemble. Et puis, dans ce papier, vous allez trouver ce joli cheval à bascule. Eh bien, vous le détourez tout d'abord. Et puis, au niveau de cette découpe-ci, je vais mettre de la colle sur le dessus de la première découpe, sur tout le tour. Et je vais amener l'autre découpe dessus pour garder l'encoche. Donc, vous assemblez vos deux découpes. Attention à ne pas obstruer l'encoche, vous voyez. C'est tout bon. Une fois qu'elles sont assemblées, je vais laisser bien sécher. Et puis, nous allons les ajouter sur le haut de notre pochette. Et pour les ajouter, je ne vais mettre de la colle qu'ici sur le bas et le poser comme ceci, bien au centre. Vous voyez, il passe complètement. Ça va me permettre de laisser l'ouverture ici. Donc, hop, un nouveau trait de colle sur le bas. Et je l'ajoute donc à ma pochette. Je vais mettre quelque chose en dessous pour bien voir la délimitation des deux papiers. Et une fois que je suis bien positionnée, c'est tout bon. On attache et je peux enlever le papier de protection. Ici, c'est un petit peu trop bas. Je relève. Et bien voilà, une bien jolie pochette. On détourne le cheval à bascule et nous allons y ajouter celle-ci. Sur la carte cheval, nous allons à l'arrière, sur le haut, poser cette découpe. Je vais donc mettre de la colle partout ici, sur les deux lignes, et venir amener ma découpe sur l'arrière. Attention, en étant sûr d'avoir les deux petites arabesques ici, et en centrant. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais enlever l'excédent de la découpe, tout simplement en coupant. Alors ici, je vais juste enlever un tout petit peu pour que ce soit joli. La même chose de l'autre côté. Et nous avons un bien joli motif sur le haut de notre carte. Évidemment, nous n'allons pas laisser comme ceci à l'arrière. J'ai coupé un morceau de cardstock de 9,5 sur 14,5. Et nous venons tout simplement l'ajouter en laissant un joli tour ici à notre cheval. Alors attention, sur le haut, je ne vais pas prendre 14,5. Je vais prendre 14,3. Donc j'enlève une petite bande pour que le cardstock ne vienne pas se mettre sur la découpe en haut. Et vous ajoutez votre cheval qui va venir se positionner dans la pochette ici du bas. Et puis pour le haut, eh bien pour le haut, j'ai prévu un grand cardstock de couleur marron qui fait 26 sur 18 et que j'ai plié en deux, qui va se glisser à l'arrière, cette fois dans la grande pochette, pour y mettre eh bien, de très grandes photos. Donc voici ce que nous allons avoir sur le dessus. Et puis maintenant, nous allons prendre cette découpe et réaliser le fond de photo intérieur. Il va nous falloir tout d'abord un morceau de cardstock de 17,5 sur 12. Donc,
17,5 et puis 12. Et dans un morceau de papier décoré, c'est celui-ci que je vais prendre. Alors déjà, je vais enlever la bande qui est ici. Je vais enlever cette bande-ci. Et puis, vous allez venir prendre un morceau de 17 sur 11,5. Donc, je vais couper ici 11,5. Tout d'abord. Et puis, on tourne et on met à 17. Nous allons d'abord venir coller notre découpe sur ce papier décoré. Donc, un petit peu de colle avec ma colle, avec le petit embout fin. C'est super pour coller les découpes. Vous n'avez pas besoin d'en mettre partout. Vous en mettez ici sur l'intérieur et puis quelques points sur les détails. Et nous mettons notre découpe ici. Et ensuite, on peut poser le tout sur un cardstock. Ensuite, vous allez trouver dans vos cartes de jolies images, pas sur le dessus, non, sur l'arrière. Nous allons en prendre une sur l'arrière. Alors, ça peut être par exemple ceci. Je vais prendre celle-ci et nous allons l'ajuster, cette carte, à 8,5. Et en longueur, je vérifie 8,5 sur 13,5. Donc, je vais couper dans cette carte. Je vais venir couper sur l'arrière. Donc déjà ici, je coupe bien au bord. Et puis, j'enlève d'abord donc les deux premiers bords. Et ensuite, 8,5 sur 13,5. Et nous allons ajouter notre morceau coupé sur ici, dans notre cadre. Voici donc ce que ça donne. Nous pourrons mettre une photo, bien sûr, à l'intérieur et puis à l'arrière. Je vais juste ajouter une petite perle. Ici, je n'en ai plus de blanche ni ivoire. Donc, je vais mettre une rose. Ça ira très bien aussi. Et on peut ajouter à l'arrière d'autres fonds parce que la pochette est très grande. Donc, ici, un fond 10,5, 15,5, ce sera très bien. Je vais revenir sur cette page devant un petit peu. Déjà ici, nous allons recouvrir la première page du livret. Et pour cela, je vais prendre la deuxième feuille fleurie, puisque nous avons le même motif sur la page précédente, pour avoir un rappel. Je vais d'abord enlever cette bande-ci sur le côté. Donc, je vais enlever juste après la bande pointillée. Et puis, nous allons prendre un morceau en gardant ici sur le haut qui va faire ici 12,5. Je ne vais pas aller jusqu'en bas, je m'arrête aux trois quarts. Et puis, sur 17,5, et pareil, je m'arrête pour rejoindre mon autre ligne de coupe. Et nous allons venir poser ceci en gardant un joli tour. Et le livret va se glisser ici. Il me reste un petit peu à décorer. J'ai sorti mes perles. Je vais poser une bande ici de perles sur cette ligne de la pochette. Et puis sur le haut également de mon cheval. Ici, juste sur le haut pour rappeler la bande du bas. Et dans les papiers, vous allez trouver encore des ronds. Je vais venir en détourer un ici pour la décoration du bas et casser un petit peu tous ces petits cœurs. Donc, je détourne. Je vais placer ce cœur ici, droit, juste en dessous des perles.
Et puis, j'ai branché le pistolet à colle car je vais ajouter dans quelques instants une jolie fleur, une wild rose. Donc d'abord le cœur. Et puis, nous allons pouvoir mettre également l'adhésif sur l'arrière et coller cette page sur notre sixième page de l'album. Donc hop, un cadre, tout d'abord, des bandes au milieu, environ 3-4. C'est suffisant et hop, 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 on ajoute ceci façon Hélène dans l'album. Je crois que vous avez l'habitude maintenant. Et puis, je vais ajouter ma fleur, mais pas à n'importe quel endroit. L'endroit est important. Je colle ma page et je vous explique cela. J'ai eu un petit problème à la vidéo, mon iPhone s'est mis au ralenti. Et oui, ça arrive, je m'en suis rendu compte trop tard. Ça n'est pas grave du tout, je vais vous expliquer. C'est la préparation des deux bases de pages 7 et 8. Vous faites abstraction de ceci, vous allez le voir juste après. Nous allons préparer les deux bases et, comme j'ai l'habitude, un petit peu de tricherie. Vous allez trouver deux morceaux comme ceci, vous voyez, celui-ci mesure environ, je vais vous dire ça de suite, environ 12 cm. Vous allez ajuster vos deux morceaux, vos deux chutes à 19,5 chacune pour les deux pages. Ensuite, eh bien, avec ce morceau-ci, vous allez mettre dessus, sur le dessus, un morceau d'adhésif. Prendre un cardstock blanc de 19,5 sur environ 12 et puis les attacher ensemble. Une fois attaché, vous ajustez à 19,5, vous aurez la base de votre page 7. Pour la page 8, ma chute est comme ceci, donc elle fait 13 cm et ici 17 à peu près. Donc, vous allez mettre à l'arrière de ce papier un morceau d'adhésif, mais vous allez le mettre ici. Et sur le morceau ici qui descend plus loin, vous mettez de la colle. Et puis, un cardstock blanc d'environ 10 cm. Vous venez l'ajouter, bien sûr, sur le papier décoré. Et vous ajustez à 19,5 tout simplement. Ce sont les deux bases de page. Rien de bien compliqué pour l'instant. Ensuite, vous voyez ici, j'ai réalisé une pochette et vous allez le voir dans la suite des vidéos. J'ai utilisé pour réaliser cette pochette ce dies. Et oui, je vous avais dit que je l'utiliserais, le Elegant Border Basic. Mais avant, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Nous avons deux bordures arrondies comme ceci. Alors deux, pourquoi? Il y en a une pour la droite, une pour la gauche, et puis un trait, mis à part les mots ici, nous avons ici une très très jolie découpe qui va nous servir pour venir décorer par la suite sur la deuxième pochette ici du bas. Ce dies fonctionne avec le Fleur Border Basic qui est malheureusement en rupture depuis 2-3 mois chez Herfeld. Dans ce Fleur Border Basique, hormis le fait qu'on a également une très jolie bordure ici, que vous avez déjà peut-être vu dans d'autres tutos d'albums que j'avais fait, il y a ces deux dies. Ces deux dies, en fait, servent à couper le papier décoré pour venir poser sur le cardstock blanc de la découpe. Vous voyez, cette découpe que vous voyez apparaître ici. Ça n'est pas gênant, si vous avez seulement ce dies aussi, je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir couper votre papier décoré à la même forme que le dies. Tout simplement, en fait, sur le papier décoré, on pose le dies bordure et puis on fait un trait au crayon et on coupe avec les ciseaux, tout simplement, pour avoir le même arrondi que le dies décoré. Voici pour ce dies.
Eh bien, nous allons, je pense, pouvoir continuer. Je vous expliquerai aussi dans la suite comment, si vous n'avez pas de dies comme ceci, comment réaliser vos pochettes tout simplement en diagonale, en ligne droite diagonale. Je vais vous l'expliquer aussi. Donc, vous préparez vos deux pages de base et puis, on continue la suite. Je vais utiliser maintenant dans cette chute, je vais prendre ce morceau-ci. Vous devez l'avoir. Vous l'ajustez à 19,5. Il est déjà presque à dimension. Et puis, une fois que vous avez ici les 19,5, vous allez prendre 9 dans ce morceau. Ensuite, pour venir faire l'arrondi, mon die ici, celui du dessus, va se positionner à peu près comme ceci. Je vais venir mettre mon papier ici, un petit peu plus bas. Vous voyez, je pose mon die et j'amène mon cardstock juste en dessous. Donc, le haut du die arrive sur le trait. Je vais mesurer ici sur mon cardstock, je vais faire un trait à 5. Et de l'autre côté, à 9. Donc 9, c'est le bas de mon papier décoré. Ensuite, une fois que j'ai ces deux mesures, je vais pouvoir ici couper. Donc là j'ai mes 9, ici j'ai mes 5. Si vous avez le dies comme moi, eh bien tout simplement on vient le placer un morceau. Donc ici vous voyez il est sur mon point, ici à 9, je peux enlever ceci. Si vous n'avez pas comme moi ce dies, eh bien ici vous faites un trait au crayon et avec les ciseaux, vous coupez du mieux que vous pouvez. Mais ça va très bien aller. Si vous avez comme moi ce dies, eh bien un morceau de scotch et on passe. Donc ici, ça doit être centré en laissant à peu près un 0,5 de chaque côté. Et puis, je passe ceci dans la machine. Je récupère ma découpe. Je peux enlever sur les côtés maintenant, bien droit, et vous voyez, ça va venir se positionner ici. Je pose simplement sur mon cardstock et je vais prendre cette fois sur mon papier décoré et je vais prendre cette fois ce dies. Alors il y a un sens, ne vous trompez pas, vous voyez, l'autre se positionne comme ceci et vous allez avoir besoin d'un morceau de cardstock de 19,5 sur 16 cm. Je viens le placer ici au ras de cette ligne rose. Et vous voyez ici, j'ai mon papier décoré. Je le place au-dessus. Je positionne mon dies en l'amenant ici. Le haut doit être sur le haut du cardstock blanc. J'espère que vous me suivez bien. Il n'est pas évident à utiliser celui-ci. Vous posez votre dies ici, tout le long de votre première découpe et vous allez amener le tout bien droit jusqu'en haut, ici, du cardstock blanc. Le reste va suivre tout simplement la ligne de coupe. Un morceau de scotch pour attacher ce dies aussi sur mon cardstock. J'en mets deux pour être sûr que ça ne va pas bouger. Je peux enlever mon papier décoré et le passer dans la machine. Est-ce que ça va être bon? J'ai une grande machine, donc je ne pense pas que ça va passer dans la vôtre parce qu'il faut 6.
Donc, vous coupez à 6 inches. 6 inches, c'est 14, un petit peu plus de 14. La taille de... nécessaire pour passer dans la machine. Maintenant que c'est bon, on peut y aller. Nous allons récupérer ceci et ensuite nous collerons la découpe que nous avons faite précédemment. Je peux de nouveau venir couper sur les bords pour récupérer ma jolie découpe. Il est très très beau ce dive tout de même. Et puis, je vais pouvoir ajuster d'abord ici. Et pour cela, vous voyez, je vais décaler un petit peu pour voir la base de ma page. Je vais amener le haut de ma découpe ici, toujours au niveau du rose. Et je vais marquer un trait ici. Ça va être l'endroit de ma coupe pour ajuster mon morceau. Je peux maintenant venir le fixer sur ma page. Et pour cela, moi, je vais prendre un adhésif qui fait 5 mm. Ça sera suffisant pour ne pas trop réduire la pochette. Si vous n'avez pas d'adhésif petit comme celui-ci, eh bien, vous mettez juste un fin trait de colle sur tout le tour. Nous allons pouvoir ajouter ceci sur notre page. Bien sûr, alors si vous n'avez pas de dies dans ce genre, vous allez pouvoir faire une pochette en diagonale. Donc vous voyez, ma découpe va venir se poser comme ça. J'enlève mon adhésif et je peux attacher sur ma page de base. Si vous n'avez pas donc ce dies, eh bien c'est tout simple. Vous prenez les mêmes dimensions de cardstock. Vous faites un trait à 11,5 sur votre cardstock, l'autre à 8, et puis vous rejoignez comme ceci. Vous tracez un trait et avec la machine, et eh bien vous mettez votre cardstock comme ceci et vous coupez votre diagonale tout simplement, donc 12,5 et 8, et puis avec le morceau décoré, et eh bien vous prenez, vous faites la même chose en prenant 8,5 et 4, vous coupez sur la même diagonale et vous posez votre papier. Vous aurez une pochette diagonale. J'attache mon papier décoré. Une fois qu'il est attaché, eh bien, je viens y mettre ma découpe dessus. Regardez comme c'est joli. Bien sûr, j'efface le trait au crayon et je vais avoir ma première pochette. Je vais garder précieusement mes deux pages pour le prochain tutoriel. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Dans le prochain, nous créerons les pochettes du bas de ces deux pages. Pour l'instant, je vais juste revenir ici sur cette page-ci. Sur cette carte, je vous ai dit de mettre la petite déco ici pour positionner cette carte dans ce sens. Mais en fait, si on la met à l'endroit et que l'on positionne la petite déco de ce côté, eh bien, nous allons pouvoir enfoncer plus la carte, vous voyez, pour faire ressortir la jolie bordure ici. Et la déco va bloquer cette carte pour éviter qu'elle s'enfonce de trop. Donc, si vous ne l'avez pas fait, mettez plutôt votre déco ici. Je vous souhaite de très belles créations pour cette jolie page et le début des autres. Promis, très très vite, nous continuons. Donc, pour ajouter les deux pochettes ici qui vont se positionner sur le bas. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très belle fin de semaine et un très très beau week-end. Je vous fais plein plein de bisous depuis les USA où il fait très très chaud. Ici dans le sud USA, on est à 40 degrés et ça va durer encore 2-3 mois. Mais c'est normal, c'est le climat ici.
Je vous fais plein plein de gros bisous. Belle création à toutes. À bientôt. Ciao, ciao.